bienvenue dans SOS Dépenses. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous deux manières différentes de faire votre lessive. Elles sont toutes les deux très écologiques et très économiques puisque vous ne devez plus du tout ajouter de détergent à votre machine. Alors bien sûr, ils correspondent très bien à des peaux sensibles comme les peaux de bébé, etc. et aux peaux allergiques. Alors, nous avons ici tout d'abord les noix de lavage qui sont des petites noix qui se présentent comme ceci et qui sont biodégradables. Vous pouvez le mettre dans votre compost sans aucun problème. Alors, vous en mettez à peu près 2 à 3 noix pour 5 kg de lessive et vous pouvez les utiliser 3 fois, les mêmes noix, 3 fois. Si votre lessive n'excède pas les 60 degrés. Alors, il est bien entendu que quand vous avez des taches qui sont très incrustées, il va falloir mettre du détachant. Cela vaut pour les deux, même pour une lessive normale. Moi, j'ai toujours mis du détachant pour enlever les taches qu'il y avait sur le linge, surtout quand vous avez des enfants qui se roulent par terre, etc. Personnellement, je trouve que ces noix de lavage lavent moyennement le linge, si je dois les comparer à la Bio Wash Bowl, bien sûr. Elles contiennent de la sapoline, donc elles moussent un petit peu, donc ça peut faire l'effet effectivement d'une lessive ordinaire. Par contre, au fur et à mesure du temps, donc moi je les ai utilisées à peu près un an, et pour les avoir utilisées autant de temps, je peux vous dire qu'au bout d'un temps, le linge ne sent pas bon. Comme il n'y a aucun parfum dedans, c'est quand même assez délicat. Moi, j'ai préféré changer de méthode radicalement et prendre, tester et d'ailleurs adopter la Bio Wash Bowl. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien, aussi bien qu'une lessive. Pour les taches qui sont vraiment bien incrustées, il faut mettre du détachant. De plus, dans certaines boîtes, ils vous fournissent un petit stick détachant qui est aussi écologique et qui marche très très bien. Maintenant, vous avez aussi d'autres détachants écologiques que vous pouvez acheter dans des magasins bio. Sinon, moi, personnellement, j'utilise pour les blancs en tout cas de l'eau oxygénée en petite quantité. Ou alors, je rajoute aussi parfois à ma machine de la bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Alors, le vinaigre blanc permet effectivement de détartrer un petit peu la machine au fur et à mesure de vos lavages. Et le vinaigre blanc empêche que les couleurs déteignent les unes sur les autres. En plus de la Bio Wash Bowl, moi personnellement, j'utilise aussi des petites boules de lavage. J'en mets à peu près 6 par machine. Elles permettent d'assouplir le linge et de ne pas devoir utiliser d'assouplissant. J'espère que vous avez aimé mes petits conseils et que vous reviendrez très vite nous rendre visite. À bientôt. Au revoir.